Break news les gars, voici les différents contrats intelligents des nouveaux protocoles qui ont été créés. Voilà, donc il y a, ne vous faites pas avoir, n'allez pas, parce que actuellement sur les différentes plateformes d'échange, il y a plus les plateformes d'échange décentralisées, il y a plusieurs PP coins les gars, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y a plusieurs PP pirates que les gars ont créés. Donc les gars, faites très très attention. Voici les différents contrats intelligents de PP. Nous allons aller vérifier ce contrat ci tout de suite. Le contrat PEP 20, voilà, c'est le nouveau protocole qui a été créé. Échanger avec vous concernant le projet PP. Il y a du boulot qui arrive. Plusieurs personnes au départ se sont moquées de ce projet, ont négligé ce projet. Voilà, Binance, en deux semaines d'existence, Binance liste un projet, Kucoin liste un projet, Bybit liste un projet, Gemini liste un projet. Donc vous devez comprendre en soi peu que c'est du boulot. Donc ne jamais négliger un projet. Ne jamais négliger un projet, les gars. Donc, lorsque je l'ai dit, c'était juste pour vous dire, vous passer l'information, les gars. Et faites très, très attention, les gars. Faites très attention. Voilà, parce que sur les plateformes d'exchange décentralisées, il y a déjà des PP pirates. Donc, faites très, très attention. Ne pas vous voir acheter des PP, croyant que vous avez des vrais PP. Et un beau matin, vous vous levez que votre portefeuille est vide. C'est très, très important. Raison pour laquelle j'invite tout le monde à se former, les gars, formez-vous, c'est très important, parce que pour vraiment s'en sortir dans cet écosystème, tu dois voir ce qu'on appelle l'avantage, tu dois voir ce qu'on appelle la vision, parce que si tu n'as pas une vision, tu vas te positionner dans des projets qui ne vont t'amener nulle part. C'est pour cela que, un, déjà, tu vas t'abonner, deux, tu vas liker, et trois, également, tu dois partager nos vidéos.